Quand on est arrivé à la mairie avec donc la nouvelle équipe, on avait de toute façon dans notre programme cette volonté de développer la participation citoyenne. Donc l'objectif pour nous, c'était de la mettre en place le plus vite possible, mais de façon organisée. Donc la crainte, c'était de se dire, bon bah, est-ce que ce qu'on a proposé donc via les conseils de quartier, qui était quand même le cœur, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont candidater, par exemple? Est-ce que ça répond, finalement, ce modèle-là répond à un outil où les gens vont bien se l'approprier, en fait? Et donc, l'esprit, c'était enthousiaste, d'une part, parce qu'on avait envie, c'était dans notre projet, on avait cette volonté de la mettre en place. Et notamment, c'est pour ça qu'on a postulé à l'AMI du CERD sur les territoires participatifs pour être accompagné au moment où on démarrait en fait cette démarche pour se rassurer sur est-ce que la méthode qu'on projette de faire, est-ce que ça répond vraiment à quelque chose qui fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir d'autres idées avec la formation, aussi avec l'échange avec les autres communes qui participent, et notamment le fait d'avoir la commune de Los Angoel dans le cycle, ça a été un accélérateur parce qu'il y a justement une élue, un agent et puis un bénévole d'une association qui sont venus sur Bézieux. Ils ont fait une présentation de ce qu'est 50-50. De pouvoir avoir des gens qui vivent ça sur leur territoire, qui montrent que ça marche, tout ce que ça peut apporter du côté élu, mais aussi du côté habitant, ça a renforcé en fait cette volonté, cette conviction qu'on allait dans la bonne voie. Alors on a démarré avec des choses très, très petites et qui peuvent peut-être paraître même anecdotiques, mais ça a été participer au fleurissement des jardinières. Encore une fois, pour montrer qu'il y avait des fleurs, il y avait plein de végétaux de différentes sortes au niveau de la commune. Aussi, de participer avec les enfants, c'est vraiment très important de pouvoir les impliquer, de les faire découvrir un peu ce qu'il y a dans la commune. Donc il y a eu cette étape-là de participation au fleurissement. Il y a des permis de végétaliser dans la foulée qui ont été mis en place, qui ont permis en fait à des habitants de proposer des plantations sur certains espaces communaux. Il y a les conventions participatives qui permettent là à des associations ou à des collectifs de proposer des projets. Et puis, il y a aussi maintenant l'échelle des conseils de quartier, où là, ils se sont mis en place. Donc, il y a 3 conseils de quartier au niveau de la commune qui commencent à s'organiser, à proposer justement des projets concrets. On est parti sur cette démarche-là, plutôt qu'un budget participatif à intenter avec un appel à projet. C'est ce qui nous semblait nous correspondre le mieux, aussi parce que les moyens de la commune sont modestes, que ce soit financier aussi en termes d'agents pour le suivre. Donc les conventions participatives, l'idée c'est que quand il y a des projets qui émanent des conseils de quartier, mais pas que, de collectifs, d'ensembles d'habitants, d'associations, d'échanger avec eux et voir comment concrètement on peut formaliser ça sous forme de convention et comment on peut les accompagner dans leurs projets. L'engagement municipal qu'on avait mis au cœur de notre programme sur la démocratie participative a été concrétisé là et même monté en puissance sur cette année. Donc les conseils de quartier ont été bien installés, ils sont en route, ils ont commencé à organiser des événements et aussi à échanger de plus en plus avec les élus sur leurs projets et aussi nous sur nos projets pour avoir leurs avis. Il y a aussi le conseil municipal des jeunes qui a été mis en place. Donc là, on est au deuxième, c'était des mandats de 2 ans. Donc là, on est au deuxième conseil municipal des jeunes. Donc là aussi, on les a impliqués sur nos projets. On les consulte sur ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et que ce soit les conseils de quartier ou le conseil municipal des jeunes, c'est devenu vraiment des partenaires presque au quotidien des actions qu'on peut mener. Et donc à la fois sur ce que nous, on a envie de mener dans la commune, mais aussi sur ce que eux ont envie de déployer.
Il y a eu un groupe de travail sur la sécurité, un groupe de travail sur la décoration au fil des saisons, qui est un groupe qui fonctionne bien, sur lequel on travaille assez régulièrement, un groupe de travail sur les plantations et un autre sur les aménagements extérieurs de la commune. On en démarre un maintenant sur un autre aménagement extérieur dans un autre endroit de la commune. Il y a eu aussi, par exemple, ce qu'on met en place en ce moment, c'est d'identifier, de baliser des chemins piétonniers. Il y a aussi des projets qui ont été remontés par les conseils de quartier, donc à la fois des aménagements sur la commune. Ça va être par exemple la sécurisation des abords des écoles, ça a été aussi l'installation de bancs à différents endroits de la commune. Ce qui a changé dans ma façon d'être élue dans la commune, c'est le rapport aux habitants. Au départ, on était plus dans l'organisation de réunions, l'organisation d'événements formels. Maintenant, je revois un petit peu mon mode d'action et je vais plus aller dans des animations de proximité ou créer des événements qui vont favoriser l'échange plus individuel et la discussion avec les habitants. Et le fait aussi de connaître mieux les dossiers maintenant, de les avoir suivis depuis plusieurs années, je sais comment ça évolue, je sais aussi le temps que ça met en fonction des démarches, donc je me sens plus à même de pouvoir répondre aux habitants et donc je suis plus à l'aise pour échanger en direct avec eux. Alors les difficultés qu'on rencontre dans cette participation citoyenne, ça va être de suivre dans la durée et de capitaliser sur ce qu'on a lancé et ce qui marche bien. Donc au niveau des conseils de quartier, ils sont bien installés, il y a un fonctionnement qui tourne, qui est différent selon les conseils de quartier, mais voilà, ils ont trouvé, je pense, leur rythme. Par contre, ce qui est assez difficile, c'est de sortir d'un noyau dur qui est très, très dynamique et très force de proposition pour élargir vers d'autres personnes et accueillir des nouveaux membres qui permettraient de continuer dans cette dynamique et peut-être de proposer des nouvelles idées. Il y a aussi un autre aspect, c'est donc on avait lancé les conventions participatives. Il y en a une qui s'est réalisée et qui s'est très bien passée. C'était donc la remise en peinture du boulodrome, donc avec le matériel fourni par la municipalité et la mise en peinture qui était faite par les adhérents de l'association. Et donc ça s'est vraiment très très bien passé au niveau des échanges entre les élus, les membres de l'association et aussi les services et la réalisation. Donc qui est effective et le résultat est vraiment très beau. On est content de cette réussite là. Par contre, on n'a pas su capitaliser sur cette réussite. Pour l'instant, on n'a pas réussi à créer ce déclic de penser convention participative vers d'autres associations ou vers d'autres habitants. Alors probablement par peut-être un manque de temps, un manque de communication sur ce dispositif et sur cette réussite. Il y a une culture de la participation qui s'amplifie, on va dire, parce que c'était du départ dans notre programme. On avait vraiment mis ça comme un gros enjeu. Donc on a la culture de la participation au niveau des élus, c'est quelque chose qui est un acquis du départ. Et là, on est dans l'accompagnement quand il y a des projets qui viennent des conseils de quartier. Il n'y a aucune remise en cause en fait de ce qui est proposé. Il y a plus une analyse de la faisabilité et une envie d'accompagner le plus possible et le plus rapidement possible la mise en place de ces projets. Donc ça va être des projets d'aménagement d'extérieur par exemple, mais ça peut être aussi, comme ça se met en place actuellement, un accompagnement sur l'organisation d'événements et d'échanges autour des activités économiques. Donc là, il y a le conseil de quartier centre qui avait initié ce besoin d'organiser un forum, qui a échangé aussi avec les autres quartiers. Et donc là, on est nous, on les accompagne dans cette démarche qui est en cohérence avec ce qu'on a envie de faire. Et donc, eux ont joué un rôle moteur dans l'organisation de ce forum à venir. Au niveau des services, donc ils ont participé à la convention participative avec l'association du boulodrome, donc ça s'est vraiment bien passé. Je pense que ça leur a donné envie aussi d'accompagner d'autres projets. Il n'y a pas eu d'opportunité pour l'instant. Par contre, des projets d'aménagement extérieur où on partait des besoins des habitants via un sondage et où finalement où on
construisez ce projet à partir des besoins des habitants, ça c'est quelque chose qui change finalement leur méthode de travail. On identifie ce besoin et on essaye de monter le projet pour qu'il puisse répondre au maximum aux attentes et aux besoins des habitants. Ce qui est en jeu entre la relation élu-citoyen, c'est de pouvoir vraiment avoir un climat de confiance et d'échange serein entre les élus et les citoyens, donc de bien partager l'information, de bien présenter les contraintes qu'a une municipalité en termes de réalisation de projets pour que quand les citoyens viennent vers les élus, on puisse leur exposer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable ou aussi comment revoir le projet pour qu'il soit réalisable. Un autre enjeu de la commune et de la participation citoyenne, c'est de pouvoir faire passer les individus, les citoyens, de problèmes personnels et de contraintes personnelles qui sont souvent initiatrices du dialogue et de l'échange à la construction de projets qui peuvent être favorables pour le bien vivre ensemble au sein de la commune et de les inciter finalement à réfléchir sur ce qu'ont envie de réaliser de nouveau pour améliorer le bien commun. Les processus participatifs, quand on les met en place et qu'on les déploie pour monter des nouveaux projets, ça a pour conséquence que ça prend plus de temps. Parce qu'il y a toute cette étape justement d'échange, de partage d'informations et aussi où on va accueillir les remarques des habitants qui peuvent parfois aller à l'encontre de ce qu'on avait imaginé et qui peuvent amener à revoir aussi le projet. Donc ça, il faut plus de temps. Par contre, on peut se nourrir quand même de ces échanges. Un autre apprentissage, c'est aussi de savoir gérer des compromis quand on élabore des projets avec des citoyens. Il y a être à l'écoute de leurs besoins, mais il faut aussi que les compromis qu'on va faire soient en accord avec nos convictions, avec nos valeurs en tant qu'élus. Les projets qu'on a envie de mener, c'est de continuer à avoir des projets qu'on construit entre la municipalité et les conseils de quartier. On a aussi envie d'amplifier cette implication citoyenne avec plus d'habitants qui rejoignent les conseils de quartier et qui puissent acquérir cette idée qu'on peut proposer des projets, qu'on peut les construire ensemble. Nous, on est vraiment convaincus que c'est par là qu'on va pouvoir réaliser des projets qui soient cohérents à la fois avec leurs besoins, mais aussi avec les contraintes planétaires et les enjeux du changement climatique.